Le sénateur du département du Sud, Jean-Marie Salomon, a été ce mercredi à l'Institut national d'administration, de gestion et des hautes études, INAGE, dans le cadre d'une conférence de presse axée sur la corruption qui entrave le développement socio-économique d'Haïti. Plusieurs étudiants d'universités publiques et privées ont marqué leur présence à cette conférence. Le sujet qui fait la une, notamment la dilapidation du fonds Petro-Caribé, était au centre des interactions. Suivez le déroulement. C'est-à-dire, même conseiller ça qui n'a pas supérieur des comptes là, eh bien, lui-même, pour lui, dans le job que lui est, c'est un machal qui est passé très souvent. C'est un sénateur qui mettait, et tout le monde l'a suivi séance en direct. Nous toujours avons des séances pour choisir Mounsayo, comment ça fait. Il y a eu toujours des opérations chauve-souris. Maintenant, ce que je dois vous dire, ce n'est pas seulement plaindre ou bien crier sous cadavre là, que Haïti représente. Il faut qu'il y ait l'émergence d'une nouvelle élite politique et sociale en Haïti. Et nouvelle élite, ça, c'est nous-mêmes. D'ailleurs, je vais vous dire, il n'y a pas de génération spontanée. Et quoi que le fait que je dis à mon sénateur de la République, ou jeune pareil, nous, qui c'est vice-président sénat qui l'a, c'est un privilège que nous avons pour nous débattre sur le sujet et jouer une solution à un problème. Non. Nous intéressons, nous faire politique. Puis, il faut nous là, ou après, il y a qui dit, nous-mêmes, pas faire politique, parce que politique, c'est bagaille, qui sale. Mais je dois vous dire, si vous ne faites pas la politique vous fera. Ma réponse à notre question. Comment stopper l'hémorragie? C'est-à-dire comment freiner la crise? Eh bien, pour stopper l'hémorragie, il faut prendre le taureau par les cornes. Il faut attaquer le mal dans ses racines. Et racines, non d'abord, qui vont commencer dans la famille, dans l'école, à l'école, pardon, et dans les institutions. Je dis même, dis-nous, je dis, même famille haïtienne dans l'Union crise, oui. La famille, qui est une petite entité au niveau de la société, l'Union crise. Combien de nous là qui gagnent le sentiment du patriotisme? Puis, il faut que nos jeunes, nous, même l'auraient étudié, que vous seule vision, quitter le pays. Attendez, je vais vous répondre. Et à titre de formation, le sénateur Salomon n'a jamais été dans les grandes universités du monde que je dis à parler de yo. J'ai été formé dans mon pays et dans ma ville natale. Même Port-au-Prince, ma déchance, Vini. Mais écoutez, j'avais cette détermination. Et c'est détermination ça que nous-mêmes jeunes nous manquons. Pas maintenant tête nous que l'Eldorado, c'est les États-Unis ou la France. Pas de plus bon côté qu'on a vivre que la caillou. Voilà pourquoi je vous invite, chers jeunes étudiants, à emboîter le pas et de faire un effort eh bien, pour que le pays s'en visage d'y changer. Si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, mais regarde ce qu'il fait. Je ne pense pas que madame ait voulu prendre ma défense tout à l'heure. Le sénateur Salomon a été commissaire du gouvernement. Et le fait d'être élu sénateur haut la main, au cri de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, n'a pas été un cadeau. On ne fait pas de cadeau en politique. D'ailleurs, j'étais le plus pauvre et le plus jeune des 28 candidats au Sénat. Attendez. Lorsque nos faire sondage. Attendez. Lorsque la campagne électorale a été fait sondage, je te mettais en dernière position. Parce que Brut te dit que je ne dis pas nous ça, pas qu'un sénateur. Mais population de prenons. Le Brut dit le plus pauvre, non, pas le plus pauvre en argent, non. Vous ça me l'a dit. Le plus pauvre signifie, j'étais le plus modeste, le plus humble. On ne peut pas faire comparer avec gros machines, on ne peut pas faire comparer avec gros billboard. Même des qui étaient œuvres, parlez pour moi. Et pour les qui parlent de comme poisson, premier monde qui t'a évoqué l'affaire comme poisson dans la presse, c'était moi-même qui t'ai dénoncé. Maintenant, quel est qui parle modeste? Écoutez bien, si je dis on continue modeste, mais écoutez messieurs, je suis un sénateur de la République, il y a des honneurs et des privilèges qui sont dus à la fonction. Maintenant,
qu'il y a effort que nous avons fait. L'effort que nous avons fait, c'est choisir des modèles. Modèles qui permettent que nous-mêmes nous vînons bien, puis nous vînons arriver de nouveaux leaders et des leaders qui sont capables de changer le visage du pays. Base à Jovenel Moïse annonce leur prochaine manifestation prévue pour le 1er janvier 2018 en vue d'exiger au pouvoir en place l'intégration de la masse dans les institutions publiques et des mesures d'accompagnement pour les plus démunis en vue de soulager la situation des citoyens haïtiens qui vivent dans des conditions alarmantes. Ce collectif menace d'intensifier leur mouvement au cas où leurs revendications ne soient pas satisfaites. Nous-mêmes BJM qui se base Jovenel Moïse. Nous mobilisons toute force nous, contre tout faux ministre, faux directeur, cap sous séquestre l'État, tout vieux sénateur, tout radoteur député, cap goumen pour mettre le pays en crise politique, et au accaparer toute boîte l'État pour créer, pour fouiller nous dans la crise politique et économique nous aujourd'hui. Nous-mêmes, BGM, nous avons tout profité de dénoncer tout faux ministre. Chéri directeur général intérieur, ou ka bay menti tout, ou pa ka bay menti pasel. Ou ka bluffé tout, ou pa ka bluffé pasel. Ou nou ka, yo ka manje kop kontra ti militant ou tout, ou pa ka vole kop kontra pasel. Tout faux directeur CAS yo, PNCS, nou comprenne que gen problème moyen, ba yo difficile en Haïti. Même pour pouvoir. Nou comprenne que manque équipement, parce que nous pas un pays qui est assez riche. Mais si tu as une crasse volonté seulement, si Magali a une crasse volonté, nous t'apprêtons, au moins ville métropolitaine, ville cabahitienne, ou t'apprêtons une crasse propre pour faire ça. Même si c'était pour faire ça seulement. Mais Magali a arrangé quoi? Il a oublié si c'est un boîte technique lié, c'est une affaire politique, la régler SMCRS, la tête SMCRS pour le régie, pour le manger, quoi, assainissement avec Tibazi, à groupe Zamil. Nous-mêmes, BJM, nous avons demandé aux Gonaïves de mobiliser. Nous avons parlé avec toute base, AKE, CEMAC. Nous demandons pour mobiliser, pour nous donner une réponse significative. 1er janvier, pour nous dire que tout ministre, tout faux directeur, nous pourrons célébrer, nous pourrons chanter entièrement. Pendant nous-mêmes, BJM, nous condamnons toute force nous. Tout nèg qui te manger kòp pèdou kabi a tout parce que c'est kòp taxe peuple là yo te volé pour jodi a là c'est nous qui pral remettre l'argent ça yo n'a profiter dit président Jovenel Moïse que nous remet en pile il connaît que militant remet en pile d'ailleurs c'est même militant ça yo qui te fait 22 mois manifestation c'est BJM qui te signé 11 sitting avec propre mais pas nous avec l'argent dans poche nous n'a rappelé président que BJM pas Moza seulement. BJM son mouvement national. BJM son mouvement international. C'est COP international ça, zami ça yo. C'est COP national zami, docteur médecin, avocat ingénieur gen dans BJM qui t'a contribué pour te faire élection. N'a dit jodia, c'est BJM qui puis maltraité. C'est BJM qui dehors qui fait opposition à grien dans son même BJM. Jodia nous vinn dit que ça finit nous bouquet. La plateforme politique Réponse Paysan dénonce avec véhémence la décision des responsables de la plateforme Entente qui ont intégré la plateforme Réponse Paysan dans le regroupement dénommé Entente des partis politiques sans le consentement des membres de la plateforme Réponse Paysan. Maurice Yves Jourdain, secrétaire exécutif de la dite plateforme, invite aux responsables de la plateforme Entente à revenir sur leur décision dans un bref délai. La plateforme politique Réponse Paysan salue la presse, parler, écrit et télévisé. La profite de l'occasion pour saluer le départ de gros poteau de garçon Mano Chalmay, ancien chanteur engagé, ancien magistrat de Port-au-Prince, qui partit quitter nous dans le jour qui s'est passé là. La plateforme politique Réponse Paysan a dénoncé à toute force. Groupement politique ça qui pral faire qu'on est dans la presse qu'elle fait partie. Plateforme politique Réponse Paysan a dit groupement ça c'est un zak malhonnête li commet
Là, elle prend non, plateforme politique réponse paysan, lui mettez dans les affaires sans avis personne dans plateforme politique réponse paysan. C'est peut-être ça. Plateforme politique réponse paysan, voyez jeter bien loin décision ça.